Le groupe social Facebook, comprenant plus d'un milliard d'inscrits existant depuis 2004, a subi de nombreux scandales. Nous accueillons aujourd'hui pour en parler Urs Schwitzermaler. Urs Schwitzermaler. Voilà, Urs, bonjour. Vous travaillez comme porte-parole Facebook en Suisse. Vous êtes employé depuis 2 semaines après que votre prédécesseur soit tombé dans les escaliers. Vous avez accès à toutes les données pour autant qu'elles restent confidentielles. Tout à fait, 2 semaines bien intenses, bourrées de nouvelles données, toujours très intéressant. Hein. Notre bureau est placé à Folketville, à côté de Zurich, je pense que tu connais. Hein. Première question, Urs, peut-on tout poster sur Facebook? Alors monsieur, bien sûr on peut tout poster sur Facebook. Après c'est un peu risque et péril de tout poster. Par exemple, moi j'ai posté la semaine dernière, la dernière tournée au bar. Avec les collègues, avec Marc, Cédric, et Inepnit et les autres. Hein. Et je peux vous dire, le patron n'était pas très content de voir que j'avais mis ça sur Facebook. Alors, on m'a dit, fais gaffe, hein, il va te virer, faire attention. Nous pouvons donc conclure que la liberté d'expression sur Facebook est immense. Mais c'est sûrement un problème, je pense. Je peux donc être fasciste, poster un post raciste, sans risquer d'être censuré. Qu'en pensez-vous? Vous savez, chacun pense ce qu'il veut. Hein. Pas tout le monde est obligé d'adhérer aux propos postés. Vous savez, les plus grandes incitations à la haine, au racisme, c'était quand Facebook n'existait pas, Internet n'existait pas, même le ordinateur n'existait pas.